Chers membres du jury, cher public et amis apprentis juristes, bonsoir. Bonsoir. J'aurais pu vous déclamer quelques vers à la façon de Molière. Au droit, au désespoir, quand je n'ai pas fini mon TD, je broie du noir. À force de stresser, mes cheveux blanchissent comme ceux de Monsieur Loire. Au droit, au désespoir, quand demain a lieu le partiel d'histoire. Mais non, non, le droit n'est pas le désespoir. Il incarne tout l'inverse et je tâcherai de vous le démontrer. D'abord, il n'y a qu'à nous regarder ce soir pour voir que le droit n'est pas le désespoir. Ensuite, il suffit de demander à nos bourreaux hebdomadaires, aux Jedi du droit, s'ils regrettent d'avoir choisi le droit chemin. Vous regrettez d'avoir choisi le droit ? Ce n'est pas faux. Indéniablement, à moins d'être un sadomaso, pour faire du droit, il faut aimer le droit. Alors, chers camarades, renard, hibou, apprenti juriste, vous, cher chargé de TD, futur maître de conférence, ou pas, n'ayons pas peur de clamer haut et fort notre amour pour le droit. J'aime le droit. J'aime le droit. J'aime le droit parce qu'il me permet de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Nouvelle route du littoral, héritage de Johnny, conflit VTC et taxi. Grâce à lui, je peux forger ma propre opinion. Et ainsi, je peux vous affirmer qu'avec la nouvelle route du littoral, nous sommes mal barrés. Didier rend l'argent. J'aime le droit car il m'a permis de trouver un sens à ma vie, de savoir ce que je veux faire plus tard, aider mon prochain, mais surtout avoir de l'oseille. De l'argent, dirait Tramoni. Et oui, chers camarades, fiches d'arrêt, dissertations et commentaires ne sont que la montagne à gravir pour avoir un métier. Je ne dis pas que le droit n'a pas de défauts. Certes, il est complexe. Certes, il mérite beaucoup d'attention. Mérite qu'on lui consacre beaucoup de nos week-ends. Mais après tout, le droit est notre précieux et nous devons le chérir. Alors, après tout cela, croyez-vous encore que droit rime avec désespoir ? Je ne le pense pas. Je vous remercie.